Salut à tous et salut à toutes. Aujourd'hui, un nouvel entretien organisé par l'Anticapitaliste. Cette fois-ci, le thème, c'est Lénine. J'allais dire une fois et encore, pas simplement parce que c'est la date anniversaire des 100 ans de sa mort, mais surtout parce que c'est l'occasion à la fois de comprendre quelle était sa pensée, son action, pour réfléchir à la manière d'agir ici et maintenant. On a déjà eu l'occasion avec la librairie La Brèche d'organiser une discussion avec Ludivine Bantigny. Cette fois-ci, c'est un militant engagé, mais surtout un historien spécialiste de la question qui a écrit de nombreux ouvrages sur la Révolution russe et sur Lénine en particulier, qui s'appelle Jean-Jacques Marie. Jean-Jacques Marie, merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est un vrai plaisir, en fait, pour pouvoir discuter de Lénine. Il y a évidemment la date anniversaire, les 100 ans. Bon, pour nous, c'est une occasion plus qu'autre chose. On n'est pas fétichiste des dates anniversaires, mais c'est l'occasion de se replonger, évidemment, sur Lénine, sa pensée, son action, et à travers lui, toute une période. Et du coup, bien entendu, on a pensé à toi. Voilà, donc c'est pour ça que c'est un vrai plaisir. T'es, au-delà de tes engagements politiques, connu pour être un historien russophone, qui a publié plus de 25 ouvrages, probablement, sur les différents aspects de l'histoire de la Révolution russe, de l'Union soviétique, de la Révolution, de la contre-révolution, et bourgeoise et bureaucratique, avec notamment depuis 2004 sur Lénine. Tu nous as fait à la fois découvrir des archives inédites et qui disent aussi un peu de la complexité politique de ce qu'était Lénine. Donc au-delà de la biographie, là le support de cette discussion, c'est évidemment le Lénine, la révolution permanente que j'ai sous les mains. Mais c'est nous décrire justement la complexité au-delà des idées reçues, des légendes de ce qu'était Lénine. Donc ma première question, ce serait si on pense à un ou une jeune aujourd'hui, qui n'a pas nécessairement l'engagement politique qui est le tien ou qui est le mien, qui connaît vaguement l'histoire, voilà, tu dirais Lénine, c'est qui, en quelques mots ? D'abord, merci pour tous ces compliments. J'espère que je serai à la hauteur. On verra bien. Je dirais la chose suivante, que Lénine, c'est le premier qui a compris que le maintien du capitalisme sous la forme de l'impérialisme, donc de la concurrence entre les bourgeoisies nationales pour prendre le contrôle du monde, débouchait inéluctablement sur la guerre, la Première Guerre mondiale, que si la bourgeoisie survivait à cette Première Guerre mondiale, son règne déboucherait sur une nouvelle catastrophe pour l'humanité, c'est-à-dire ce qui se passera, la deuxième. Évidemment, Lénine n'avait pas prévu que l'une des formes de cette barbarie serait le nazisme, enfin le fascisme en Italie, le nazisme, mais enfin c'était sous-entendu, en gros, dans la vision de catastrophique, vérifiée par la réalité, de la survie de l'impérialisme. Et il me semble qu'aujourd'hui, dans une situation évidemment différente, quand on voit ce qui se passe dans le monde, c'est pas la peine de faire un détail, ça nous amènerait trop loin d'ailleurs, tellement il y a de déchaînements de barbarie, que nous sommes, me semble-t-il, à la veille d'une situation ressemblant à ce qui s'est passé avec la Première Guerre mondiale puis la Seconde. Mais malheureusement, je ne vois pas de Lénine ayant un instrument à sa disposition susceptible, disons, de transformer la révolte des masses qui se manifestent un peu partout d'ailleurs, en forme politique pour renverser ce système. C'est, à mon avis, la question essentielle aujourd'hui. Et même si l'œuvre de Lénine date d'il y a évidemment un bon siècle, elle offre toujours des éléments de réflexion qui, en étant adaptés au monde présent, permettent de chercher des réponses et peut-être de les trouver. Justement, pour prolonger un peu ce que tu dis, loin des idées reçues, comme je disais, des légendes, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, dans tous tes travaux, tu présentes finalement Lénine dans toute sa complexité, dans des contextes qui évoluent, quelqu'un qui s'adapte, mais avec cette obsession qui est celle que tu décrivais, c'est la question de la stratégie, de la politique, des perspectives, de l'issue qui va au-delà des révoltes, des luttes et des résistances. Est-ce que tu pourrais nous dire si tu vois un ou plusieurs Lénine, justement, dans toute son évolution, de que faire en 1902 jusqu'à la fin de sa vie, tu classerais, alors évidemment c'est très large comme question, mais tu classerais les choses comment dans son parcours politique ? Le premier Lénine, c'est un Lénine qui est centré sur la question de l'organisation, ce qu'il exprime très bien dans que faire, évidemment,
Parce qu'ils voient la révolution. La Russie est un État paysan essentiellement, arriéré. Et donc pour lui, la révolution qui va se produire inéluctablement sera une révolution démocratique bourgeoise, c'est-à-dire ouvrir la voie à la bourgeoisie pour qu'elle instaure son règne, c'est-à-dire qu'elle développe les rapports de capitalistes de propriété et d'industrie. Et donc il faut que la classe ouvrière très minoritaire, à l'époque, il y a 2,5 millions d'ouvriers en Russie, soit conscient de cette réalité, puisse participer à ce combat qui va déboucher sur le règne de la bourgeoisie, en pouvant se battre pour leurs propres intérêts, et donc il faut qu'ils soient organisés. Il faut que rendre les ouvriers conscients. Et l'organisation est un élément permettant de les rendre conscients, c'est-à-dire de comprendre ce qui se passe et de comprendre ce qui est leur propre intérêt. Et puis, il y a un deuxième Lénine qui apparaît avec la Première Guerre mondiale. En 14, alors que le monde est entraîné dans un déchaînement où la bourgeoisie réussit à entraîner la classe ouvrière de chacun des pays dans lesquels qui entre dans la guerre, Lénine réfléchit à ce que ça va donner et il pense que ça va déboucher sur une catastrophe. Et à l'époque, il pense que pour lui, l'essentiel pour les révolutionnaires, c'est d'avoir une position claire qui montre qu'ils ne sont pas partie prenante sous quelque forme que ce soit de la barbarie organisée. Alors que toutes les organisations, enfin à l'époque les organisations ouvrières, c'est essentiellement la social-démocratie qui domine la classe ouvrière en Allemagne, en France, partout. Elle se range totalement du côté de sa bourgeoisie, au nom de l'unité nationale. C'est évidemment un petit peu moins frappant en Russie, parce qu'en Russie, évidemment, la bourgeoisie russe est beaucoup plus faible. Et la classe ouvrière russe est moins facile à gagner au poison du patriotisme que la classe ouvrière allemande ou française. Et donc là, Lénine prépare les lendemains qui, espère-t-il, vont chanter. Et donc pour lui, l'essentiel, c'est les positions de fond, c'est-à-dire ce qu'on va appeler le défaitisme révolutionnaire. Il écrit par exemple que la chose la moins grave pour la Russie, c'est la défaite de son gouvernement, de son État, gouvernement ou État d'ailleurs, en l'occurrence c'est à peu près pareil. Donc il faut préparer le moment où la crise va exploser. Et là, évidemment, il se heurte à un certain nombre de difficultés, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de militants qui disons, renacle un peu, hésite, etc. Certains disant, mais c'est facile pour lui, il est en exil alors que nous on est en Russie, souvent déporté d'ailleurs, pareil. Par ailleurs, bon, là, il mène une bataille acharnée qui va déboucher d'ailleurs sur le rassemblement de militants internationalistes de divers pays, à Zimmerwald en 1915, puis à Kiental en 1916, qui, disons, esquisse ce qui va apparaître pour Lénine une arme fondamentale quand la révolution aura éclaté, c'est-à-dire une nouvelle internationale. Et ensuite, le troisième Lénine, c'est celui qui, apprenant que la révolution bourgeoise a renversé le tsarisme en Russie, c'est-à-dire en février 1917, apprend, il est à l'époque exilé en Suisse, apprend que cette révolution a débouché sur un gouvernement provisoire désigné par la Douma tsariste, dont le mandat se terminait en 1916, d'ailleurs, mais évidemment Nicolas II n'avait pas organisé des élections en 1916. Et ce gouvernement provisoire, d'abord, est un gouvernement bourgeois, qu'il y a à l'époque trois partis, disons, qui organisent en partie la classe ouvrière en Russie. Il y a les socialistes révolutionnaires, qui sont très forts, surtout chez les paysans, les mancheviks, ils ont en gros la social-démocratie européenne, et puis les bolcheviks. Lénine a alors un souci fondamental, il faut que, pour préparer la révolution ouvrière indispensable, que les bolcheviks restent indépendants, qu'ils ne se soumettent pas à l'ordre bourgeois à travers le gouvernement provisoire dans lequel vont entrer bientôt des socialistes révolutionnaires et des mancheviks. Donc il se bat pour ça. C'est ça, cette indépendance est fondamentale pour avoir un outil qui ne soit pas lié aux forces de la bourgeoisie. Parce qu'il comprend très bien, mieux que tous les autres, que cette solution va être provisoire, que la crise va continuer à ravager la Russie, ce qu'elle va faire d'ailleurs, et que va venir le moment où le prolétariat va exploser. Donc il se bat pour ça, alors que les dirigeants bolcheviques de l'époque, qui reviennent d'exil, Kamenev, Staline, sont pour être l'aile gauche de l'alliance avec la bourgeoisie. Aile gauche critique, bien sûr, mais aile gauche, c'est tout. Et lui, il dit indépendance. Et
il lance un mot d'ordre qui va lancer dès son retour en Russie le 3 avril 1917, à savoir tout le pouvoir aux soviets. C'est-à-dire la Russie a créé des organes soviets de délégués ouvriers, soviets de délégués paysans et même soviets de délégués soldats, qui sont d'ailleurs en fait des soviets de paysans parce que la majorité des soldats sont des paysans. Et là, il livre une bataille dans son propre parti pour essayer à les convaincre, pour dire à imposer, mais il impose par la discussion, hein, imposer ce point de vue. C'est-à-dire il faut préparer, il ne faut pas dire démission de gouvernement provisoire, il faut d'abord dire tout le pouvoir aux soviets. Et quand cette bataille aura gagné, eh bien, on pourra passer à la suite. Et là, la bourgeoisie répond en essayant de liquider politiquement Lénine, en utilisant, un élément imprévisible, à savoir début juillet, devant la détérioration de la situation, il y a une manifestation spontanée de soldats et d'ouvriers de Petrograd, ou Saint-Pétersbourg, enfin ça dépend, c'est la même ville, qui déferlent dans les rues, qui se précipitent vers le Soviet pour leur demander qu'ils prennent le pouvoir. Les Soviets sont à l'époque dirigés par les socialistes révolutionnaires et les mancheviks. Et les bolcheviks hésitent, qu'est-ce qu'il faut faire? Lénine aussi hésite, la Pravda sort avec une page blanche le jour de la manifestation, parce qu'ils ont en tête, et Lénine le comprend très bien, ils peuvent prendre le pouvoir à Petrograd, mais dans le reste du pays est encore, sur le plan de la conscience, en arrière de la compréhension de ce qui se passe. Et donc ils vont être isolés et battus. Donc il hésite beaucoup. Enfin, il hésite, non, il veut surtout pas donner de mot d'ordre. Hein. Et la bourgeoisie se déchaîne à fond contre lui. Et vous avez une campagne qui sort Lénine, agent allemand. On sort l'histoire du wagon prétendument plombé. On explique que la Pravda sort grâce à l'argent de l'empereur allemand. Et donc Lénine doit se cacher. Et il doit continuer son combat politique en étant caché, d'abord en Finlande, et puis ensuite un peu plus proche, un peu plus près de Petrograd. Mais il sait que s'il se fait prendre, il risque fort d'être liquidé. Donc la poursuite de la guerre ruine l'économie. Vous avez un nombre de fermetures d'entreprises, par exemple 300 entreprises qui ferment au mois de juillet 1917, les licenciements en pagaille. Vous avez un dirigeant bourgeois de l'époque, qui s'appelle Miliukov, qui dans son histoire de la Révolution, il s'explique qu'à partir d'un certain moment, il n'y avait de choix qu'entre deux possibilités dans la Russie de l'époque, soit Kornilov, soit Lénine. Alors Kornilov, c'est un général, disons c'est une espèce de pré-fasciste, pourquoi? Alors il n'y a pas encore de fascisme en Russie, bien entendu, mais lorsqu'il organise un soulèvement à la fin septembre, comme il est stupide, mais enfin c'est pas le seul, hein, il fait dans sa déclaration, il annonce qu'il fera pendre tous les dirigeants des soviets, donc y compris les mancheviks et les socialistes révolutionnaires. Donc ce qui fait que tout le monde s'unit pour écraser son soulèvement, donc socialistes révolutionnaires, mancheviks, bolcheviks, et Lénine en tire une conclusion, et le soulèvement est écrasé, une conclusion que très souvent on passe sous silence. Lénine écrit « Nous avons en ce moment, pour peu de temps, une possibilité de développement pacifique de la révolution sans violence. Si les SR et les mancheviks prennent le pouvoir, c'est-à-dire donnent tout le pouvoir aux soviets, nous, on ne sera pas dedans, ils appliqueront leur programme, nous ce qu'on demande c'est simplement avoir la liberté de critique, c'est tout. » Mais évidemment, les SR et les mancheviks, comme ils sont liés à l'ordre bourgeois, refusent et décident de maintenir la coalition avec même des éléments, des détritus de la bourgeoisie, des gars qui ne représentent rien sinon l'ordre bourgeois. Et donc, il dit qu'il n'y a plus d'autre solution que l'insurrection. Il écrit un texte d'ailleurs qui est tout à fait remarquable, il s'appelle « La catastrophe imminente et la façon de la contrecarrer », dans lequel il annonce que, en fonction même des informations publiques, qu'on va vers la crise sociale, économique et sociale terrible, puisque mi-octobre, il reste de quoi donner à manger à Petrograd pendant 2 jours, hein. C'est pas beaucoup. Et il réussit à convaincre le comité central de passer à l'insurrection. Lénine, lui, comprend remarquablement. De toute façon, il n'y a pas de position de maintien, de repli, il n'y a pas de recul en arrière possible, parce que tout est en train de s'effondrer, ce qui est parfaitement vrai. C'est incontestable. Sur le plan économique, sur le plan social, sur tous les plans. Et donc, il réussit à imposer
avec l'aide de Trotsky, sur lequel il y a un petit désaccord, mais secondaire. Savoir Trotsky est pour attendre le début du congrès des soviets pour organiser l'insurrection. Lénine est pour organiser l'insurrection juste avant parce qu'il a un problème, qui est réel d'ailleurs, hein, c'est pas si simple. Les délégués bolcheviques vont avoir 50-51% des voix, enfin des membres du congrès. Mais ils sont devenus majoritaires alors qu'en juin ils étaient minoritaires. Oui, là ils vont être juste majoritaires. Mais que sont ces 350 délégués bolcheviques? Il y en a qui viennent du fin fond de la Sibérie, qu'on peut-être jamais lu au niveau de la Pravda, dont ils ne savent pas exactement quelle est leur position sur l'insurrection, etc. Donc ils préfèrent les mettre dans le fait accompli pour que, à ce moment-là, devant la prise du pouvoir, et bientôt ils seront pour. Et puis, finalement, la prise du palais d'hiver, là où siège le gouvernement provisoire, disons, anticipe de quelques heures sur l'ouverture du congrès des soviets. Le congrès commence, là les anciens dirigeants SR et Menchevik ouvrent le congrès, puis il y a une élection du présidium, et là les bolcheviks emportent les places au présidium à une grande majorité. Les bolcheviks et les SR, furieux, disent « voilà, ce congrès ne représente rien, nous en allons, nous invitons nos camarades à s'en aller ». Et manque de chance pour eux, à peine une cinquantaine de délégués SR et Menchevik seulement s'en vont, ce qui fait que le congrès des soviets qui reste représente la grande majorité des soviets. Et c'est des millions de personnes qui ont voté pour eux. Des millions de personnes pour eux, donc. Donc, il est parfaitement représentatif. Et le congrès des soviets, donc, élit un conseil des commissaires du peuple, un gouvernement, et en même temps, l'opposition à l'insurrection continue à se développer, alors qu'elle est victorieuse, parce qu'un certain nombre de bolcheviks sont persuadés qu'ils en ont pour quelques jours à tenir. Jacques Sadoul, capitaine de la mission française à Moscou, raconte dans ses souvenirs qu'il rencontre Kollontai, première femme ministre, si j'ose dire, qui est commissaire du peuple aux affaires sociales, qui lui explique qu'elle se hâte de prendre des décrets à tour de bras pour laisser une trace dans l'histoire. Elle pense que dans 10 jours ou 15 jours, ils vont être liquidés. Lunacharsky, qui est commissaire du peuple à l'instruction publique, dit à un de ses copains, dans 15 jours, on sera pendu aux fenêtres de notre... Bon. C'est le sentiment que beaucoup d'entre eux ont, ce qui fait qu'ils cherchent des voies de traverse. Par exemple, Zinoviev et Kamenev engagent une discussion avec le syndicat menchevique des cheminots et avec les SR et les mencheviks pour déboucher sur un gouvernement d'union avec eux, dans lequel il y aurait 5 bolcheviks sur, que je dis pas de bêtises, sur 16 ou 18, enfin en tout cas minoritaires, et ni Lénine ni Trotsky, mais les autres n'en veulent pas. Donc dans le dos de Lénine se développe une véritable opposition à l'insurrection victorieuse, parce qu'ils sont presque tous ceux-là persuadés que ça ne va pas tenir. Vous avez une grève générale de l'appareil d'État, les commissaires du peuple arrivent dans les ministères, les gars ont jeté les clés, ils refusent de filer les papiers, et l'argent d'ailleurs. Bon. Et vous avez donc une guerre civile sociale qui commence, et qui va ensuite déboucher sur une guerre civile militaire, ça c'est une autre question. Et donc Lénine doit s'arc-bouter pour convaincre la majorité des cadres dirigeants qu'on peut tenir et donc qu'il faut tenir. Malgré ses propres doutes à lui, par exemple. Malgré ses propres doutes à lui, parce qu'évidemment, c'est... C'est important, c'est vrai, ce que tu dis, de ressouligner pour ceux qui nous regardent, même à quel point toute cette génération politique, donc inclut Lénine, était marquée par... La précédente grande expérience politique qui était la Commune de Paris, oui, de 1871, et que tout le monde pensait que rester au pouvoir, c'était un défi à part entière. D'où la fameuse légende ou pas, je ne sais pas, de Lénine dansant dans la neige le 73e jour. Ah oui, c'est une légende. Ouais, moi, c'est une belle légende. Oui, une belle légende. Voilà, parce que c'est tenir, il n'imaginait pas lui-même tenir, ouais, plus que la Commune. Donc il y a ça qui est extrêmement présent. Et dans un processus politique, en effet, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est aussi de comprendre le phénomène pas que par le haut, et la capacité de Lénine à comprendre ce qui se passe. C'est-à-dire que la révolution d'octobre, c'est la réponse à toutes les problématiques qui sont ouvertes par la révolution de février en 1917, qui ne sont pas encore réglées, mais avec une volonté
Ouais, d'oser, comme dira Rosa Luxembourg plus tard, mais je te parlais avant de commencer l'émission du livre de Rabinovitch qui s'appelle, je crois, Les Bolcheviks prennent le pouvoir, où il revient sur cette phase. Oui, ouais. C'est publié aux États-Unis d'abord, voilà. Oui, je l'ai bien sûr. Oui, et oui. Qui passe de septembre à octobre, oui. Où on voit un Lénine absolument indiscipliné, qui en effet est minoritaire, va envoyer ses résolutions directement dans les soviets, donc très loin de l'image en effet véhiculée par l'historiographie officielle stalinienne. Ou anti-bolchévique, anti-révolution russe et bourgeoise, qui consiste à dire que de toute façon, tout ça est un coup d'État, alors que, comme coup d'État, ne serait-ce que c'était sur la place publique, hein, ce que tu dis, c'était sur la place publique. Donc, s'il y a un génie de Lénine, c'est aussi peut-être de capter les événements et d'essayer de voir comment la stratégie peut s'engouffrer dans tout ça. Oui, et puis, je reviens sur un certain nombre d'opposants à la prise du pouvoir. L'un d'entre eux, par exemple, Volodarsky, que j'ai dit tout à l'heure, dit « Mais notre salut dépend de la révolution prolétarienne en Europe, même mondiale, dit-il. » Lénine en est bien persuadé, sauf qu'il pense que la révolution russe est, entre autres, un moyen d'accélérer la maturation de cette révolution dans les pays européens ravagés par la guerre. Et Lénine considère qu'on ne peut pas risquer la survie de la révolution russe à une révolution européenne qui est nécessaire, inévitable, mais qui n'est pas immédiate. Et donc, quand il est pour signer la paix de Brest-Litovsk, qui se traduit pour la Russie par des pertes importantes, encore que je suis un peu étonné de la façon dont les historiens bourgeois présentent ça, ils disent souvent que la paix de Brest-Litovsk se traduit par la perte pour la Russie de nombreux territoires. Et dans ces territoires, ils mettent la Pologne et l'Ukraine. Alors, considérez que la Pologne, sur lequel la Russie tsariste avait mis la main sous Catherine II, appartient à la Russie et qu'il faut la garder, c'est quand même assez extraordinaire. Et l'Ukraine, c'est un peu discutable d'en faire une partie de l'Empire russe automatique. Bon, c'est vrai que, d'autant que se développe un mouvement national ukrainien à l'époque. Bon, passons là-dessus. Mais les deux sont liés pour lui. Donc il faut toujours arriver à trouver le rapport entre les mesures nécessaires pour que la révolution menacée d'étranglement en Russie survive et puisse, disons, contribuer à l'explosion révolutionnaire en Europe occidentale. D'abord en Allemagne, bien sûr, puisque c'est là que, d'après lui, et c'est ce qui va se passer d'ailleurs, ça va mûrir dans des conditions d'ailleurs dramatiques, parce que le Parti communiste allemand est créé fin décembre 1918, et quand on pense que sur la base de du groupe qui était dirigé par Rosa Luxembourg et Karl Liebknecht, qui à Berlin comptait 50 membres. Donc la révolution va exploser dans un pays où il y a un parti communiste très faible, ce qui va faciliter l'écrasement de cette révolution par la bourgeoisie, aidée par, la social-démocratie allemande, et qui va d'abord assassiner Liebknecht et Rosa Luxembourg, ce qui ne fait pas partie des crimes attribués aux bolcheviks par les historiens. Pour une fois, ils n'ont pas réussi à trouver une astuce. Mais ce qui est intéressant aussi de rediscuter pour aujourd'hui, pour ceux, alors toujours avec le recul de l'histoire, mais c'est que même dans cette période de doute, enfin notamment les premiers mois de la Révolution, donc les soviets s'emparent du pouvoir à leur deuxième congrès, et les soviets représentent une réalité, parce que là aussi, soviet, ça fait peur aujourd'hui, ça veut juste dire conseil, en fait. Hein. C'est une forme qui naît plutôt spontanément dans la première révolution de 1905, un processus qui va s'étaler sur des mois, où d'ailleurs les mensheviks sont peut-être plus à l'aise avec cette forme-là, mais n'empêche que Lénine comprend qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Et à partir d'avril 1917, Lénine est un de ceux, si ce n'est le seul, qui tient cette perspective de pouvoir aux soviets. Une fois que les soviets ont pouvoir, et donc comme on le disait, le congrès, c'est 18 à 20 millions de personnes qui votent, c'est-à-dire c'est un niveau d'auto-organisation de masse, dans cette période de doute, de confrontation, alors je ne sais pas si tu partageras cette analyse, il y a des mesures très concrètes qui sont prises par le pouvoir en place dans le domaine de l'éducation, la vie quotidienne, des entreprises, de socialisation des entreprises. Et alors quelqu'un qui est d'un courant communiste libertaire, qui s'appelle Daniel Guérin, lui parle d'une période libertaire de Lénine qui irait jusqu'au printemps 1918. C'est-à-dire que là aussi, contre vents et marées, Lénine continue à vouloir entretenir le souffle de la révolution, j'allais dire, par le bas. Pas que par le bas, mais en privilégiant dans les entreprises tout ce qui est du domaine du contrôle des conseils, des comités ouvriers. Tu partages cette idée-là, toi, ou pas?
Je voudrais pas faire de peine à Daniel Guérin, que j'ai fort bien connu à l'époque où j'étais pivertiste, si on remonte à un vieux passé lointain. Mais je crois qu'il, comment dire, il idéalise ou il schématise un peu l'attitude. Lénine, d'abord, est confronté à une situation, c'est que l'appareil d'État se dressant contre lui, comment faire pour essayer de diriger ce qui se passe? Donc, il pense effectivement au début, accorder confiance au conseil ouvrier dans les usines, etc. Mais très vite, il se heurte à un problème qui est le suivant. Par exemple, pour ravitailler Moscou ou Petrograd, il faut faire venir des trains de ravitaillement du sud, c'est-à-dire que soit de la partie de l'Ukraine que l'armée rouge, rouge naissante, enfin les gardes rouges, c'est pas encore l'armée rouge, contrôle, fait les faire remonter, ou bien de la région de Tambov, ou d'ailleurs. Bon. Puis il s'aperçoit très vite que si ces trains partent complets, ils arrivent vidés aux deux tiers ou aux trois quarts, parce qu'à chaque arrêt dans une gare ou dans une ville, les gens du coin se servent au nom de leurs propres besoins. Que dans les usines, les comités ouvriers considèrent que ce qu'ils fabriquent leur appartient. Donc il y a une impossibilité pour le pouvoir central de gérer la répartition de cette production conformément aux besoins de l'ensemble du territoire. C'est la raison pour laquelle, à un moment, dès mars 1918, Lénine essaie de passer un premier compromis avec le patronat. Il écrit à ce moment-là que le capitalisme d'État est une nécessité pour l'immédiat, pour essayer de faire fonctionner l'économie. C'est-à-dire que ce qu'il fera en 1921, il l'esquisse déjà. Oui, avec la lettre, mais là, il esquisse déjà, sauf que là, il se heurte à un patronat qui est persuadé que ces gens-là vont s'écrouler. Donc, pas d'entente, donc niette. Donc, à partir de mai 18, il abandonne, c'est-à-dire le patronat, comme il n'a pas encore nationalisé les usines, ils vont être nationalisés après. Le refus du patronat fait que qui était le moyen de réagir, de répondre au désordre grandissant que l'absence totale de tout appareil engendrée dans la répartition de la production. Production extrêmement mince en plus, bon. Donc, en juin 1918, finit cette proposition de repartir vers un capitalisme d'État provisoire, bien sûr. Donc, chez les paysans, création des comités de paysans pauvres qui vont partir à l'assaut de ceux qu'on appelle les koulaks, c'est-à-dire paysans riches, qui n'ont rien à voir avec la paysannerie riche d'aujourd'hui, surtout les paysans américains, mais c'est des paysans qui sont riches relativement à ceux qui n'ont rien ou à peu près rien, qui ont une vache, 2 hectares ou 3. Eux, ils ont parfois un moulin et ils ont des dizaines d'hectares et ils peuvent commercialiser un peu de leur production, un peu. Bon. Et donc là, on passe à autre chose qui est une mesure, disons, de plus ou moins désespérée d'ailleurs, parce que qui va être transitoire. Et Lénine va devoir bientôt changer en passant à l'instauration des réquisitions chez les paysans. Sinon, les villes vont mourir de faim. Et les paysans, au début, acceptent ces réquisitions, d'ailleurs, parce que la guerre civile qui commence, avec le développement des armées blanches, qui commence fin 17, mais qui deviennent vraiment réelles à partir de l'été 18, et qui vont se renforcer considérablement à partir de janvier 1919, avec la fin de la guerre, avec l'Allemagne, et le fait que là, les bourgeoisies françaises, européennes, anglaises, etc., vont pouvoir, même la bourgeoisie grecque qui enverra 2000 soldats grecs pour défendre l'Église orthodoxe, bon, chacun fait ce qu'il peut. La guerre civile va prendre une dimension extraordinaire, vraiment, qui fait que là, les paysans vont être confrontés au fait que si les Blancs gagnent, ils vont leur repiquer les terres sur lesquelles ils ont mis la main, que la Révolution leur a donné, enfin leur a laissé prendre, disons, voilà. Donner en même temps, bien entendu. Donc les paysans vont accepter ça pendant un certain nombre d'années. Voilà, donc c'est une situation dont il faut se rendre compte que, disons, chaque jour pouvait être un jour de désespoir, et que Lénine a eu la force, disons, assez extraordinaire de résister et de trouver, pas toujours les bonnes réponses, mais de trouver la plupart du temps des réponses qui permettaient de résoudre tel ou tel problème apparemment élémentaire, mais difficile à régler, dans un pays qui va être livré à une guerre civile effroyable. Avant d'en arriver à la guerre civile, sur ce que tu dis là maintenant, c'est-à-dire cette période de dilemme quotidien qu'on a du mal à imaginer,
où les choses changent malgré tout, dans les entreprises, dans la vie quotidienne, dans l'éducation, où Kollontai fait le forcing pour les droits des femmes. On rappelle à ceux qui nous regardent que le premier pays où le droit à l'avortement a été obtenu, c'est dans la Russie soviétique. Il y a tous ces dilemmes qui touchent toutes les questions. Il y a Lénine qui cogite, mais on en parlait là aussi juste avant l'émission. Lénine, il évolue pas dans un vase clos, il est dans un parti où il y a une vitalité encore de partis politiques, des discussions. Lénine est minoritaire et il peut se retrouver minoritaire jusqu'à tard. C'est ce que tu me disais. Ah oui, Lénine va se heurter à des difficultés, enfin des oppositions dans son d'abord à des discussions presque permanentes, parce que comme il y a des problèmes énormes, dont personne n'a la solution immédiate et dont la solution n'a pas été préparée avant, à l'évidence. Donc presque sur chaque question, il y a des discussions et il arrive souvent à Lénine d'être mis en minorité, de se heurter, et le bureau politique au comité central sont riches en discussions parfois extrêmement vigoureuses. Pour en prendre un seul exemple, lorsque arrive vers la fin de la guerre civile, c'est-à-dire pas tout à fait la fin, mais disons début 1920, quand commence à se sentir dans la paysannerie une lassitude devant les réquisitions qui sont imposées pour nourrir les villes et l'armée, réquisitions imposées par le fait que, comme l'industrie ne fabrique quasiment rien, Lénine dit, et il a parfaitement raison, si on achète aux paysans, on va lui donner un billet avec lesquels il ne pourra rien acheter, pour lui ça n'a aucun sens, aucune valeur. Donc il vaut mieux trouver un système qui lui permette, disons, de contribuer au maintien de l'ordre social sans être trompé. Bon, le paysan, évidemment, il utilise une partie de sa récolte pour trafic, pour négoce, pour vendre aux ouvriers ou aux ceux qui quittent leur usine pour venir dans la campagne acheter des œufs ou de la farine pour remonter, nourrir leur famille, parce que le ravitaillement est extrêmement médiocre. Et pour nous, lorsque cette situation arrive à sa fin, début 1920, il y a un ancien menchevique qui a adhéré au parti bolchevique, qui s'appelle Yuri Larin, qui est membre du Conseil supérieur de l'économie, et qui à ce moment-là a une idée, il faut changer la politique alimentaire. Donc il propose au Conseil supérieur dont il est membre de voter la liquidation des réquisitions et le remplacement, enfin de voter, disons, de maintenir un quota de réquisition le plus bas possible, mais enfin bon, quand même un quota de réquisition, et de permettre aux paysans de commercialiser le reste de sa production, officiellement. Il obtient le vote unanime de ce Conseil supérieur. Et puis, Lénine informé, fait savoir, s'y oppose farouchement, il informe le commissaire du peuple à l'économie, Rykov s'appelle Rykov, qu'il faut s'opposer à ça. Malarine n'en a rien à faire, absolument. Il maintient sa proposition, il l'a fait adopter par le Conseil supérieur de l'économie une deuxième fois, et à ce moment-là, Lénine décide d'exclure Larin du présidium du Conseil supérieur. Le Conseil supérieur décide de maintenir Larin dans le présidium. Alors, il est élu à l'unanimité des délégués au présidium, hein, qui le maintiennent, donc contre la volonté de Lénine, que Lénine a fait adopter par le bureau politique. Le mois d'après, le camarade Trotsky, au comité central, ne reprend pas exactement la position de Larin, mais il dit, voilà, ce qu'il faudrait, c'est quand même passer d'un système de réquisition à un système où on pourrait marier réquisition et commercialisation. Lénine lui dit, tu es le porte-parole des coulacs. Bon, bing. Sèchement. Lénine s'y oppose absolument. Et Larin continue à défendre sa politique. Bon, et finalement, face à la montée des oppositions, par exemple, l'un des principaux économistes soviétiques, Ossinski, écrit à Lénine en octobre 1920, ça ne va pas durer, les paysans n'en peuvent plus, etc. Bon, il va finir, lui, par reprendre cette proposition en 1921, avec manifestement un an de retard. Et il y en a un qui dira ça courageusement,
C'est le camarade Staline, mais il attendra le 18 janvier 24 pour critiquer Lénine. Le 10 janvier, il risque plus rien. Il dira, si on avait adopté ça avant, on aurait évité Etambov et Kronstadt. Etambov, il y avait une insurrection paysanne, et Kronstadt, il y a une insurrection des marins, qui était effectivement liée aux insurrections paysannes, d'ailleurs. Mais il dit ça au moment où il risque plus rien. Là. Il est agonisant, donc. Sinon, avant, en général, il se taisait. Hein. Ce qui veut dire que Lénine, là aussi, loin des idées préconçues, peut se retrouver minoritaire dans son parti jusqu'en 1920. Ouais. En 1921, même jusqu'à... Oui, je te citais tout à l'heure le cas de Riazanov, qui est à la fois un philosophe marxiste de grande envergure, il connaît très bien Marx et Engels, et un militant syndical. En 1920, en pleine crise, il y a un congrès syndical et la fraction communiste se réunit la veille du congrès. Lénine a fait voter par le bureau politique une résolution présentée par le secrétaire du comité central des syndicats, Tomsky, membre du bureau politique. Riazanov y va, et lui présente une résolution pour dire indépendance totale des syndicats. Donc, la résolution de Lénine dit qu'il faut que les syndicats aident le parti à résoudre des problèmes qui sont effectivement très graves d'ailleurs. Dans la fraction communiste, il y a plus de 1500 délégués communistes. Riazanov obtient 95% des voix, alors que les délégués membres du Parti communiste savent très bien que c'est le bureau politique qui avait voté cette résolution. Donc les gars votent contre, ils votent pour Riazanov. Lénine est furieux. Il décide qu'il faut écarter cet enquiquineur du travail syndical. Donc il fait voter par le bureau politique le fait de Riazanov hors du travail syndical. Riazanov, pas content, fait appel au bureau d'organisation du comité central, lequel annule la résolution du bureau politique, ce qui fait qu'au congrès suivant, Riazanov revient. On est en 21, en pleine crise terrible. Hein. 21, c'est Kronstadt, c'est tout. Tambov, c'est les frères. Là encore, il y a une nouvelle résolution qui demande quand même au syndicat d'aider le parti à s'en sortir, enfin en se subordonnant aux décisions du parti. Riazanov recommence avec sa résolution indépendance totale des syndicats. Et il gagne encore dans la fraction communiste. Je ne parle pas dans le congrès des syndicats, la fraction communiste. Bon, il n'a pas 95% des voix ce coup-là. Alors, bon, cette fois-là, donc, il gagne encore. Mais les historiens camouflent toujours ça. Toujours. Il faut présenter Lénine en dictateur, obéi par un parti de domestiques, etc., dont les organismes dirigeants sont en général, sont le plus souvent, contre ce que propose Lénine. On pourrait multiplier les exemples, mais il y en a des centaines et des centaines. Tout ça est effacé. Alors il y a autre chose qui est effacée, que tu commences à l'évoquer là aussi pour recontextualiser les choses. Alors le fait de recontextualiser, c'est pas vouloir refaire l'histoire après coup, etc. Mais c'est pour comprendre ce qui se passe. C'est en effet cette guerre civile qui va quand même faire bifurquer un processus révolutionnaire d'émancipation, d'ébullition sociale, démocratique, quelle qu'en soit limite, mais qui est réelle. Et les historiens l'affirment, malgré tout, il s'est passé quelque chose à ce moment-là. Sauf qu'en effet, une fois que la guerre, je fais un peu caricatural hein, évidemment, mais une fois que la Première Guerre mondiale se termine, on a littéralement, l'expression n'est pas fausse, le monde entier, enfin du point de vue des États, qui tombe sur la jeune révolution soviétique avec cette coalition que tu évoquais. Hein, il manque quasiment personne. Au-delà des Grecs, il y a quand même les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France. J'oublie évidemment, mais ça représente 200 000 soldats qui prêtent le flanc à une offensive qui est présente depuis le départ et qui prend de l'ampleur, qui est celle de la contre-révolution blanche, sur laquelle tu as écrit également. Est-ce que tu peux nous donner aussi un peu à voir de ce que représente cette violence-là qui est, pour le coup, complètement occulté par l'historiographie actuelle. On fait ce décompte macabre où on attribue à Lénine à peu près tous les morts du siècle, quasiment. Oui, à peu près. Voilà. Voilà. En oubliant d'évoquer ce qu'était la violence des Blancs et ce qu'a été la violence de cette intervention impérialiste. Bah, pour évoquer ça, le plus simple, pour faire des citations exactes, je vais citer Clémenceau. Il déclare « Le bolchevisme s'étend. Si le bolchevisme, après avoir gagné l'Allemagne, allait traverser l'Autriche et la Hongrie et atteindre ainsi l'Italie, l'Europe serait mise en face d'un grand danger. » Et quant au chef de l'état-major général de l'Empire britannique, Wilson, il écrit à l'amiral qui commande la flotte anglaise de la Baltique « Il faudrait retirer nos troupes d'Europe continentale et de Russie et concentrer nos forces sur les centres d'où partent contre nous des tempêtes, c'est-à-dire l'Angleterre, l'Irlande, l'Égypte, les Indes. » D'après lui, d'Angleterre même, d'Irlande, d'Égypte, des Indes partent des tempêtes. Ça n'a rien à voir avec l'histoire officielle qui nous présente une Russie où la révolution serait isolée. C'est la raison pour laquelle il faut l'écraser, c'est parce qu'elle n'est pas isolée. Si elle était isolée, bon d'accord, on continuerait à alimenter un peu les troupes blanches,
à les alimenter en armes et en argent. Mais parce que la mobilisation militaire pour aider la contre-révolution se heurte au fait que le prolétariat des pays où la guerre est finie est souvent, d'abord, là de la guerre, il ne veut pas recommencer à se battre, les gars. Deuxièmement, ils sont très souvent sympathisants de la révolution russe, même s'ils n'ont pas toujours une idée claire de ce qui s'y passe. Par exemple, quand la France décide d'envoyer le gouvernement polonais à l'assaut de l'Ukraine, ils envahissent l'Ukraine en avril 1920, avec des armes fournies par la France, je ne sais plus combien il y a de canons, de fusillés, et avec un état-major de conseillers dans lequel le général Weygand et le capitaine Charles de Gaulle, et puis tout un état-major de parasites qui siègent là-bas, ils envoient, l'armée polonaise attaque, évidemment ils envahissent assez vite l'Ukraine parce que à ce moment-là il n'y a pas d'armée rouge tout près, ils prennent Kiev d'ailleurs très vite, et puis vu le souvenir qu'a représenté la domination polonaise sur les paysans ukrainiens se soulèvent, rentrent dans l'armée rouge, et l'armée rouge balaye l'invasion polonaise, mais c'est l'un des exemples parmi d'autres. Quand on regarde la vision de l'histoire que par le haut, avec des faiseurs d'histoire qui manipulent l'histoire, soit en termes de coup d'État, Lénine, Trotsky pour l'armée rouge, on ne comprend pas le fait que dans une situation de crise, de famine quasiment, on arrive à dresser une armée rouge de centaines de milliers, de millions de personnes en très peu de temps pour résister à cette offensive et des Blancs et de la coalition internationale. Donc ça dit aussi quand même quelque chose du fait qu'à ce moment-là, on peut pas prétendre qu'il y a un pouvoir bolchevique qui est déjà centralisé, qui a déjà la main sur tout, qu'il suffit de claquer des doigts et de menacer de représailles pour faire adhérer des millions de personnes dans l'armée rouge. Il y a quand même un phénomène de masse aussi. Oui, il y a un phénomène de masse qui est lié à la crainte que suscite l'offensive des Blancs. Lorsque les Blancs, l'armée blanche se constitue décembre 17, mais c'est quelques centaines de personnes, c'est tout. Jusqu'à ce que la guerre s'arrête, ce sont des effectifs très minces. Donc l'Angleterre, les États-Unis, la France, le Japon aussi, pour des raisons différentes et à des fins différentes, nourrissent, entretiennent les armées blanches, leur fournissent des armes, de l'argent, etc. Et là, ça pose deux problèmes. Le premier, c'est que quand ces armées blanches partent à l'offensive et conquièrent une partie du territoire, ben les paysans paient les pots cassés, c'est-à-dire, ou bien, souvent les officiers font fouetter les paysans qui ont mis la main sur les terres, parfois les fusillent ou les pendent, mais plus souvent ils les font fouetter, pour bien montrer qu'on a besoin d'eux pour cultiver la terre qu'on va rendre à leurs propriétaires ou qu'on va s'accaparer. Mais on vient bien leur montrer ce qu'ils sont, comme à l'époque de la Russie tsariste, des serfs, même s'ils ne sont pas très contents des réquisitions organisées par Moscou, même s'ils sont plus ou moins indifférents à l'aspect politique, ne peuvent pas adhérer à cette contre-révolution. Deuxièmement, l'objectif central de toutes les armées blanches, quel que soit leur chef, que ce soit Kolchak, que ce soit Denikin, que ce soit Wrangel, c'est la Russie, de rétablir la Russie une et indivisible. Donc, ils dressent contre eux toutes les minorités nationales qui veulent échapper à l'emprise de la Russie. Alors, les pays du Sud, la Géorgie, l'Azerbaïdjan, etc. etc. Les Ukrainiens, qui sont souvent partisans de leur indépendance nationale, même si les nationalistes ukrainiens comme Peltura, ce n'est pas encore des fachos, comme plus tard Bandera, mais ça c'est autre chose. Et puis les Polonais, parce que la Russie une indivisible, ça veut dire que les trois quarts de la Pologne reviennent à la Russie blanche. Finalement, et l'un des socles sur lesquels repose le bolchevisme, c'est-à-dire la reconnaissance, au moins de l'autonomie nationale des pays qui ont voulu se débarrasser du joug de l'impérialisme tsariste, et deuxièmement, la défense des conquêtes de la Révolution, c'est-à-dire la terre aux paysans. Et c'est ce à quoi Staline mettra fin en 1929, en déclenchant une collectivisation aveugle, parce que Trotsky était pour la collectivisation, mais une collectivisation au rythme du développement technique, c'est-à-dire permettant que le paysan qui entre dans un truc collectif bénéficie d'un tracteur, enfin, sente qu'il y a quelque chose qui s'y différencie dans son boulot. Quand Staline crée la collectivisation, c'est hop, vous avez une vache, 2 hectares, et vous entrez dans un sauf-cause où il n'y a rien.
Il y a juste un appareil bureaucratique qui va vous dicter la loi, pas vous payer, parce que la plupart du temps, les paysans ne toucheront rien. Hein, c'est ce que Khrouchtchev raconte lui-même, d'ailleurs, souvent. Parce que parfois, il s'assalait à des confidences, Nikita, qui sont assez rares chez les bureaucrates. Enfin bon. Tu commençais à parler de cette autre contre-révolution qui va intervenir. Alors quand exactement, c'est toujours difficilement datable, mais qu'est la contre-révolution bureaucratique. Oui. Et là aussi, c'est un des enjeux de la discussion quand on parle de Lénine de nos jours, c'est de pas tout mélanger à l'échelle de l'histoire. Et évidemment, la thèse dominante veut que le ver est dans le fruit et que Staline se nichait déjà sous Lénine, sauf que le processus politique au-delà des individus est en effet pas le même entre le début des années 20, on va dire, et en tous les cas la fin des années 20, il y a bien quelque chose qui est intervenu entre deux qui s'appelle une contre-révolution bureaucratique. Sur quel événement, c'est toujours, une fois de plus, bon, c'est compliqué, c'est un processus. Est-ce que tu peux nous dire aussi un mot de ça, notamment de Lénine qui, enfin semble-t-il, non, c'est pas semble-t-il, sentait le phénomène bureaucratique qui prenait pas forcément l'ascendant, mais prenait de plus en plus de place. Visiblement, l'associer peut-être aussi au problème des fractions dans le parti. Or, une des décisions qui ne va pas aider à éteindre le phénomène bureaucratique, ce sera le congrès du parti en 1921 qui interdit les fractions, les débats contradictoires. Mais Lénine sentait le problème, au-delà du testament, où il a des mots qui sont sans équivoque sur Staline et sur ce qu'il représente. Bon, d'abord, il faut quand même se rappeler, même si c'est une banalité, que tout ça se déroule dans le cadre d'une guerre civile. Donc ils avaient une guerre. Or, une guerre, c'est contraire à la démocratie. Enfin, une guerre exige le commandement, exige l'ordre. Vous imaginez pas que dans une situation, ça c'est banal ce que je vais dire, mais dans une situation de combat, brusquement, vous dites, non, hop, vous êtes en face, vous vous calmez le temps qu'on ait discuté, qu'on ait résolvé nos désaccords, etc. etc. C'est pas possible. C'est la guerre imposée par les autres, par la contre-révolution, qui a évidemment influé considérablement sur le fonctionnement du parti, puisque c'est lui qui dirigeait cette guerre. Et comme dit, je ne sais plus où, Trotsky, deux armées qui se battent se ressemblent sur un certain nombre de points. C'est inéluctable, sinon elles ne se rencontreraient pas, il n'y avait aucune ressemblance. Bon, ça c'est déjà un aspect qui est trop souvent oublié. Alors, ceux qui ne l'oublient pas disent, oui, mais c'est de leur faute, ils ont commencé. C'est-à-dire que c'est normal que la bourgeoisie mondiale se mobilise pour renverser parce qu'ils ont osé renverser leurs bourgeois chez eux, quand même. Il fallait pas commencer, c'est de leur faute. Bon, ça, c'est la première chose. Dans cette situation, bien entendu, favorise le développement d'un appareil chez qui se développent des phénomènes de corruption. C'est inéluctable. Prenons un exemple très simple. Dans les réquisitions faites auprès des paysans, règne la famine dans tout le pays. Donc soit les détachements de partis qu'on envoie réquisitionner, soit les détachements de la Tchéka qu'on envoie réquisitionner, mais il arrive très souvent qu'ils se servent eux-mêmes en passant. Ce qui amène Lénine un jour dans une... Je ne sais plus à quelle date exactement, c'est en 1920, un jour de 1920, il écrit, ce dont nous avons désespérément besoin, c'est de gens honnêtes. Et quand Staline, dans l'édition des œuvres de Lénine sous Staline, la quatrième, celle qui en français circule toujours, bon, complétée par les mains, cette phrase a disparu. Hein. Staline a fait disparaître cette phrase. Parce que exiger des gens honnêtes pour la bureaucratie, c'est pas bien. Bon, deuxièmement, vous avez un développement, donc c'est inévitable, d'ailleurs, dans la Révolution trahie, Trotsky développe ça très longuement, le développement dans cette centralisation, développé dans la misère, la misère générale du pays, disons, d'un certain nombre de phénomènes, délétères, de phénomènes qui nourrissent le développement d'un appareil dont Lénine se méfie, contre lequel il engage des campagnes d'épuration du parti d'abord en 1920 puis en 1921, parce que pour lui, ces phénomènes de décomposition viennent de l'infiltration dans le parti d'anciens ennemis de la Révolution qui, constatant qu'elle gagne, décident d'entrer dans le parti pour faire carrière. Ce phénomène existe, mais ça n'est que l'un des aspects de cette bureaucratisation rampante. D'ailleurs, il organise des épurations du parti en 20 et en 21 pour se débarrasser de ces éléments. Et
Deuxième élément dans cette histoire, le fait que Lénine essaie d'abord de commencer par combattre cette bureaucratisation du parti en développant des organismes chargés de contrôler. C'est là qu'on assiste à un phénomène a priori étonnant quand on regarde la suite. Il institue un organisme qui s'appelle Inspection ouvrière et paysanne chargé de contrôler l'appareil et dont le responsable est Joseph Staline. Alors, quand on voit, si on étudie le présent à partir du futur, on se dit quelle erreur fatale. Pourquoi Lénine fait ça? D'abord, c'est vrai qu'il se trompe sur Staline parce que Staline présente pour Lénine un avantage. C'est un gars qui parle très peu, qui est en général toujours d'accord avec Lénine, qui vote au bureau politique quasiment, alors que quasiment tous les autres protestent, s'élèvent, critiquent, etc. Donc il crée un appareil qui va contenir bientôt 12 000 permanents, qui sont une bande de fainéants qui s'occupent simplement de vérifier que dans les autres appareils qui continuent à grossir, sauf l'appareil de Lénine, c'est assez extraordinaire, l'appareil du Conseil des commissaires du peuple est extrêmement mince. Lénine s'occupe d'abord du combat de l'appareil chez lui, mais il n'arrive pas vraiment à avoir, alors qu'il y a un développement de la corruption dans le Parti communiste au pouvoir, dont je voudrais donner une citation exacte. Oui, donc je vais citer, je m'excuse de prendre la page, mais je préfère que la citation soit exacte, voilà. Ces deux dirigeants communistes de Moscou, l'un Podvoïski, qui survivra lui à Staline, a de la chance, et un dénommé Mekhonochine, peu importe le nom, qui, dans une lettre à Lénine, dénonce l'attribution anormale de rations à des cadres soviétiques privilégiés, ce qui, disent-ils, discrédite le pouvoir. Et ils demandent leur suppression ou leur réduction. Et ils dénoncent l'aristocratie communiste qui s'est installée dans des hôtels particuliers, réquisitionnés, et dont eux, ils demandent qu'on chasse ces gens-là pour les transformer en jardin et en foyer d'enfants. Et ce développement dans l'appareil du parti, à cause des positions dirigeants du parti de cette situation, aboutit, d'ailleurs elle avait déjà été dénoncée par Preobrajensky, qui était membre du bureau du comité central à cette époque-là, en 1920, dans lequel il explique qu'il faut instaurer une commission d'enquête qui dénonce, explique qu'il y a des protestations qui viennent de la base contre ceux qui disposent de privilèges au Kremlin et ailleurs. Et il dit c'est très mauvais parce qu'il y a vraiment des protestations en dénonçant les bourgeois communistes. Et Lénine décide de constituer une commission d'enquête sur ces inégalités. Et Lénine charge cette commission d'enquête en particulier de commencer à étudier les privilèges des occupants du Kremlin. C'est assez frappant. Hein, d'abord, commençons à faire le ménage chez nous. Et cette commission, d'ailleurs, dans laquelle il y a un membre de l'opposition ouvrière sur trois, donc un opposant, c'est assez rare les organismes où on désigne un opposant dans une commission qui va enquêter, trouvent que les habitants du Kremlin ont effectivement des privilèges. Elle les trouve trop largement logés et les suggère de diviser en deux les pièces de leur appartement pour qu'on vive à deux, à plusieurs dans une pièce. Mais pour le reste, elle trouve que leurs privilèges sont assez modestes sur le plan alimentaire, etc. Effectivement, Lénine veille à ce que le seul qui vit un peu à la part, mais qui organise ça de façon distincte, c'est Staline qui fait venir de Géorgie du vin qui planque. Enfin, ça, c'est fait partie des faiblesses de l'être humain, sans doute. Bien. Et Lénine s'attachera à cette chasse à l'appareil bureaucratique, surtout à la fin de sa vie, lorsqu'il est, disons, un peu passé, un peu mis à l'écart des discussions politiques générales, pas totalement, parce que c'est Staline qui s'occupe de son régime médical. Et il prend conscience du fait que cet appareil se développe alors qu'il pensait que les mesures prises avaient permis de limiter cette progression. Et il en déduit le fait qu'il est,
nécessaire de prendre des mesures, mais il ne sait pas trop lesquelles. Il propose la réduction brutale d'un certain nombre. Par exemple, il propose que l'inspection ouvrière et paysanne passe de 12 000 membres à 300. Évidemment, le camarade Staline ne voit pas ça d'un bon œil, puisque c'est son instrument de conquête de l'appareil. Mais en même temps, pour que ce type de mesure passe dans la pratique, il faudrait que, se développe dans le parti une liberté de discussion qui a été momentanément suspendue en 21. C'est ce à quoi tu faisais allusion. Mais revenons sur cette question-là. Quand le Congrès tient en 21, le régime est effectivement risque de s'effondrer. Il y a les révoltes paysannes qui, à Tambov, dominent un pays qui est grand comme deux fois la France, une région deux fois la France, avec la région d'Ichim. Des révoltes paysannes importantes, où là, quand les paysans saisissent des communistes, ils leur arrachent les yeux, ils leur ouvrent les intestins, et ils mettent réquisition terminée. C'est donc une guerre civile, une grande sauvagerie. Et à Kronstadt, vous avez l'insurrection qui est liée entre autres au fait que les marins de Kronstadt sont la plupart du temps de familles paysannes et reçoivent de leur famille des informations sur ce qui arrive à leur famille quand il y a des réquisitions. Sans compter que comme c'est un endroit où il n'y a pas de problèmes militaires, l'armée rouge a envoyé 500 Macnovis ses prisonniers là parce que là, ça sera tranquille. Alors évidemment, les gars vont prendre leur revanche. Donc le régime est vraiment au bord d'un risque d'effondrement. Donc Lénine fait voter par le Congrès la suspension, l'interdiction momentanée des fractions, et cette interdiction momentanée des fractions est présentée comme provisoire et n'est pas rendue publique. C'est Staline qui, après la mort de Lénine, la rendra publique pour la rendre constante. Car pour Lénine, c'est une mesure... Alors on peut dire que Lénine s'est trompé, mais c'est une autre question. Pour Lénine, c'est forcément une mesure provisoire qui répond à un danger. C'est comme si vous êtes dans une maison, vous avez un incendie, eh ben vous n'allez pas vous préoccuper d'abord de préserver, je ne sais pas quoi, ce qui vous intéresse le moins, vous allez prendre l'essentiel. Bon, ben là, c'est la même chose. Et ce n'est pas une hypocrisie de Lénine. Alors, Lénine, il est pour la discussion, même s'il en prend plein la gueule parfois. Mais dès qu'il meurt, quelques mois après, Staline rend public, donc il la rend constante à cause de ça. Et d'ailleurs, Radek, qui avait voté la décision de l'interdire, souligne qu'il l'a voté parce que c'était provisoire, sinon il n'aurait pas voté. Et il sait très bien qu'il peut faire confiance à Lénine, sauf que quand Lénine, à ce moment-là, est au début de sa mise à l'écart, petit à petit provisoire, mais son état de santé se dégrade alors. Et tant qu'il est en vie, la décision reste provisoire, mais dès qu'il est mort, Staline... c'est qu'il a là une arme qui va lui permettre d'assurer la domination de l'appareil sur le parti en interdisant toute discussion, croit-il, parce que ça sera difficile de l'interdire. Si, alors, c'est pas de refaire le match, parce qu'on le fait sans prétention à l'échelle de l'histoire, et chaque contexte est différent, et on comprend bien les enjeux qui peuvent se comprendre que sur une période et une génération, mais si erreur il y a eu de Lénine, tu ciblerais lesquelles, toi ? D'abord, je pense qu'il faut chercher les erreurs éventuelles, les erreurs de Lénine, dans le cadre d'une situation dominée par l'échec de la révolution mondiale, donc situation dans laquelle ces erreurs n'ont pas pu avoir d'importance décisive, fondamentale décisive. Je vois comme erreur la guerre avec la Pologne, enfin, c'est-à-dire que... Réagir à l'invasion, bien sûr, il avait raison, mais pour poursuivre l'offensive en Pologne avec l'idée de rejoindre le prolétariat allemand. D'ailleurs, à la poursuite de cette guerre, se sont opposés, curieusement, et Trotsky et Staline, pour une fois, étaient d'accord. Parce qu'ils ont senti que ça ne marcherait pas. Deuxièmement, je pense que erreur, ça a été le fait d'avoir traîné un an pour remplacer les réquisitions, enfin, pour refuser le système de Larine, compris par Trotsky plus ou moins, à savoir une partie de réquisition et une partie de commercialisation. Mais ce sont deux erreurs, mais ça n'aurait pas changé fondamentalement la situation de la Russie soviétique face à une révolution européenne dont Lénine voit dès la fin 1920
qu'elle est en train de ralentir et de s'arrêter. Un grand merci à toi. De rien. Et c'est surtout une invitation à continuer à découvrir Lénine, tes écrits et puis tes autres écrits, pas que sur Lénine, sur Trotsky, sur Staline, sur toutes ces épisodes, et puis d'autres écrits aussi pour continuer à se forger aussi un esprit, un avis par soi-même sur cette question et prendre dans le passé ce qui peut nous servir pour aujourd'hui. Un grand merci à toi. De rien. Voilà, l'entretien est terminé. Si jamais il vous a plu, n'hésitez pas à le partager, à le liker, à émettre des commentaires, parce qu'après tout, la discussion ne fait que continuer. Et surtout, à vous abonner à la chaîne de l'Anticapitaliste, mais surtout, d'abord et avant tout, suivre les enseignements de Lénine, c'est-à-dire s'organiser pour une bonne vieille révolution.